double overtime, 16-14, c'est vrai que c'est extrêmement serré. J'espère voir Mousse gagner cette map, qu'on est au moins une quatrième map. C'est vrai que voir un 3-0 en orbite et se coucher finalement à 22h30 serait un peu décevant par rapport à tout le début qu'on a vu. Ouais, c'est vrai. Maintenant, si orbite de 3-0, bah ce serait bravo à eux et. Et ça qu'ils le méritent. Vraiment, c'est incroyable. C'est ça. Ils ont réussi à faire face au Mousse Esport. Mousse a demandé une vraie pause, hein. c'est eux qu'on attendait. Après tout en quoi 10-12 minutes à peu près de pause. Ouais, c'est ça, je pense que voilà, ils sont partis se désaltérer. Et peut-être discuter, qu'ils... Hein. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'ils ont fait un petit break en se disant bon les gars, faut qu'on discute pour savoir ce qui va pas. Là, c'est du 2 contre 2. Ce qui va pas, c'est qu'ils vont commencer terre au swap. Exactement, la Maxaki a vraiment l'avantage et voilà. Et bien le swap qui va être demandé directement. Alors, je vais mettre les overlays correctement. Tac. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On est prêt, on est chaud pour cette troisième map. Alors est-ce qu'on va avoir droit à Alcalon encore un 16-14 ou alors un stomp? Peut-être que les orbites vont se dire bon les gars, on roule sur les Mousy Sports maintenant. Ils commencent sur le Easy Side. Ça va être compliqué pour les Mousses de commencer cette map. Alors c'est la map de la Team Orbit en plus. Ouais, effectivement, map Team Orbit. Ouais, donc c'est incroyable. Bah écoute, wait and see pour voir si, si les orbites vont courir sur les Mousy Sports ou pas. Alors, bah, 3 kits. Non, parce qu'ils sont en CT. Donc plutôt mettre le mur. Ouais, voilà. Et ça, côté Mousse, on espère un réveil. On a vu Krijek capable sur 2-3 rounds de faire la diff. On a vu Gobi mettre un joli clutch. Zonix aussi. Mais c'est pas assez constant pour l'instant côté Mousse pour. Ouais. Ah, pour vraiment l'emporter, moi je pensais voir Mousse, je sais pas, mettre un. C'est 5 sur les deux quoi, mais non. Non, 16-14 pour Orbit. Et la Mousse en terreau dans les appartements avec une 3-2 classique. Ah, KJ est déjà tombé. Ah, bien joué de la part de DJ qui a rushé au niveau de cette longue. Attention, c'est du 4 contre 3, 4 contre 2 maintenant. Et les Mousy Sports qui se sont emparés de ouais, ce BPA. Ouais, mais Maxaki est là, il est arrivé dans le timing pour prendre Troublet. 2v3, il a entendu le rush de DJ de Maxaki, il vient le chercher maintenant. Ah, bien joué, les Tidja! Oh, les Tidja en pré-shot total sur le flanc gauche de la smoke. Triple 1-0 kill pour les Mousy Sports. Triple et Spock, Mousy Sports, a noté sur D2, avait remporté les deux gun rounds et avait quand même perdu la map. Comme quoi, le gun round ne fait pas la map. C'est vrai que derrière, les orbites ont été parfaits. Alors là, c'est en train de stacker le BPA, un seul au niveau de ce BPB chez les orbites. C'est Pete, il va venir prendre l'information. Ouais, il se fait décaler directement par Troublé. Ah ouais, ça a agressé. Là, c'est Max qui est face à Zonix. Il a réussi à casquer Zonix, Max. Mais ça suffit pas, il a 34 HP. Et ça va passer sur ce BPB, la bombe ouais. Qui est en train de rediriger. Ouais, Chris J'ai capté l'info, Zonix est en train de régaler, qui va quand même tomber. Max a quitté la prochaine sur les Ninja. Max a qui double kill, 2v3. La bombe va être plantée, Maxaki qui monte très très bien cette map avec un triple kill hein. Pour le joueur des orbites, 3-1 pour Maxaki. Il va laisser son AK, Centrix a récupéré un petit Galil. Ouais, c'est bien, c'est une bonne ouais. Écho. Bonne écho, maintenant faut pas se bloquer, il faut surtout pas se faire rusher parce que on voit un joueur, c'est Troublé avec le P90 qui est en train de les chercher tout doucement et il est au niveau de la bibliothèque. Troublé, il avance pleine. Il va peut-être venir essayer de prendre le double kill. Ah, est-ce que ça vaudrait le coup? Il sait très bien qu'il y a une AK-47 en face, que Maxaki a récupéré la AK-47. Ouah, Maxaki, oh, Troublé! Troublé qui fout comme un bœuf! Oh. Et il a réussi à faire un kill sur Sentries avant. Ouais, mais Maxaki a gardé son AK. Donc, prendre une opération pour lui quand même. Et Mousse, évidemment, on va racheter du côté orbite. Peut-être voir un force buy. C'est bizarre, Alka, quand même, d'avoir eu les deux joueurs des orbites dans la chambre noire. Bah pour cover mutuellement. Ouais, mais je m'attendais vraiment à ce qu'ils prennent un crossfire. 4 HM middle, Spock. 4 HM middle à venir côté orbite. Pour faire tomber peut-être Roublé. Non, les 4 HM middle. Ça passera pas. Ils étaient 3 au niveau du mid 2, du petit mid, les Mousy Sports. Et heureusement pour eux, parce que c'est vrai que s'ils prenaient le middle, oh là là, ça aurait été un carnage. Ouais, effectivement, Troublé dans le début de la banane. Et Maxaki Pete. Ouais, Troublé qui va revenir, il va peut-être prendre la bombe. Non, il la laisse dans la rivière. Et regarde, ça commence à avancer petit à petit chez l'orbite. C'est pas très malin parce qu'il laisse la bombe au TT là. Ouais, mais est-ce que Maxaki va l'avoir?
Oh, Maxaki, ouais, Maxaki qui l'a pris par derrière. Et ouais, non, mais magnifique. Et il voit la bombe. Et il voit la bombe. Ah, ça tombe pour Maxaki quand même. C'est du 4 contre 3. Une belle grenade. Il a pris cher, Pete. C'est quoi cette strat des mousses? C'est on court tous mid, on laisse la bombe derrière, on se rusher, on récupère les kills, on prend la bombe. Le problème, c'est qu'ils ont perdu un joueur, ils ont gobelé à 15 HP. Skitten, wow, oh là là. Et Skitten a eu l'information et il n'a pas Pete, été touché. Regarde, Pete dans le dos de T3 mousses. 1. Ouais, Sloop. Oh, il met très loin HP les Jidja, mais ça passe pas. Krijay qui est passé au niveau de cette vodka. Et il a vu un joueur, Shox. Est-ce que. Ouais, il va prendre l'unscope. Oh, ça passe pas l'unscope. Oh, Skitten. Ce qu'il a loupé. Ah, dommage pour Skitten. Il doit être un peu déçu, Skitten, je pense, de ce round. Et Pete qui va tomber sûrement très rapidement parce que les Jidja l'a juste en dessous. Ah, la 3-0 pour Moussi Sports. Ouh, c'était très serré ce round. Très, très serré. Premier round d'achat, Alka avec la WAP sur Max. Alors, où Max va se positionner? Au niveau de la voie de cul, au niveau de la banane pour prendre les premiers kills, on va se mettre sur lui. Et il va middle. Il va middle, ouais, il va prendre la voie de cul. Et non, il va pas jouer. Il va pas jouer la décale, Max. Il va jouer en reculé. Oh, Krijay qui est complètement blanc, mais ça agresse pas au niveau de cette banane. Et il le joue à 3, les Moussi Sports. Et ouais, un petit peu gratuit là, Krijay qui fait un bon double kill pour ouvrir ce BPV. Magnifique, en plus il va venir décaler à mon avis le joueur au spawn. Oh, c'est loupé. Il a raté, Max il le rate aussi. Oh, le lag shot derrière. Après, il doit être déçu, Chris. Ah bon, qui va être planté. Chris De Jong, des Pays-Bas. Il a vraiment un nom néerlandais, hein, De Jong. On dirait un joueur de foot. Ouais, côté, ça va économiser. Ça paraît quoi, effectivement. Max s'en sort avec 16 HP. Et le 4-0 pour les Moussi Sports. Et ils commencent à courir, hein, les mousses là. Hein. Ils rigolent plus là. Ils sont passés en mode vénère. La discussion qu'ils ont eue a peut-être porté ses fruits pour l'instant. En tout cas, 4-0 en hard side. Il n'y a pas grand chose qui a des inquiétés. Ouais, effectivement. Pour l'instant, il y a une petite erreur peut-être de la part des Orbit d'avoir joué la banane un petit peu en avancée. On a vu un joueur sac de ciment et on a vu un joueur charrette. Ils se sont fait tous les deux décaler par Krijay. Et ensuite, Krijay, dès qu'il a eu les double kills, il a commencé à avancer et à prendre ce BPB. Les Orbit vont devoir acheter. On va avoir un pit et on va avoir des M4 partout et du stuff partout de toute façon. Mais attention, ah, même pas, un Galil. Un Famas, pardon, sur Maxaki. Mais par contre, Pete qui va pouvoir acheter voilà, M4 et full stuff. 4-0. Et on a encore... attention, Max qui vient chercher le premier kill sur Troublé au niveau de la banane. Voilà, ce que je veux voir, c'est un Max qui a pas peur de prendre la banane et de prendre la longue. Et là, il l'a montré. Oh, le gros full, ça passe de sentry sur Krijay. Il n'y a plus de sniper chez les Moussi Sports, et c'est surtout du 5 contre 3. Grosse supériorité numérique pour les Orbites. De toute façon, il faut mettre ce round pour les Orbites pour pas se faire distancer, parce qu'autrement ça pourrait donner le 6-0 s'ils perdent ce round les Orbites. Alors attention, Zonix qui est en train d'avancer petit à petit au niveau de cet appartement. Il sait pas que Sentries est directement à la sortie. Ah, ça y est. Il est tombé, mais il y a Skitten au niveau du Shox. Et voilà, Skitten qui a eu l'avantage sur Zonix. Ouais, bah en fin de compte, les mousses, ça vient de prendre un gros stop rush. Gobi les Didja en 2v5. Bon kill les Didja, Gobi qui tombe. Et derrière, Max qui vient rechercher les Didja. Max Pok aurait été finalement un peu plus constant qu'on le pensait. Ouais. Avec deux premières maps incroyables. Ouais, non, mais franchement, c'est. Oh, nous qui. Enfin. Il m'épate. Ce joueur m'épate. Il rentre dans une nouvelle line-up, il arrive et il montre ses kills papa, tout. C'est tout. C'est kill papa, c'est Maxou. Ouais, non, Max. On va l'appeler Maxou maintenant. Max a très très bien joué. Allez, c'est parti, donc 4-1, la Team Orbit démarre leur compteur. Il faut pouvoir continuer comme ça. Oh, bien joué de la part de Skitten qui fait tomber directement Krijay. Alors Krijay qui a rushé dans la smoke. Je sais pas trop si c'était une bonne idée. Bien joué de la part de Gobi sur Skitten. Ça... C'est du 4v4. Ça passe hein, au niveau de cette vodka. Ils peuvent passer, ils le savent pas encore les Moussi Sports. Oh là là, Zonix, bien joué. Attention quand même à Max. Oh, Max, il fait le premier kill. Waouh, c'est passé pas à. Passé bien loin, ouais, effectivement. À 2 cm de l'épaule là. Ils sont deux sur le BP. Max y enchaîne. Oh là là, triple kill. Triple kill de la smoke.
Oh, attends, attends, attends. Est-ce qu'il va mettre le quadruple kill max? Non, il se fait calmer quand même par Troublé. Troublé est un excellent joueur aussi. Hein. Troublé pour l'instant n'a pas montré sa pleine puissance. Et voilà, il s'est encore raté. Troublé. Mais Max, mais quelqu'un peut arrêter Max, s'il vous plaît? Incroyable. Test, vous me voyez? Oui, on te voit, Mister Uranos. Et double scope maintenant chez les Orbit. Max qui a été droppé par, par l'un de ses mates. Ah, le double scope. Ah, le double scope. Maxaki au niveau de la banane. Il a une micro-ligne et ça passe premier kill de la part de Maxaki au niveau de cette banane. Attention, ils sont encore 3 Mousisport. C'est de l'économie Alcalone. Pourquoi les DJ avaient acheté? Bah écoute, YouTube, je te réponds. Non mais attends, je regarde l'économie. Ah bah il avait énormément d'argent les Didja. C'est vrai, effectivement, il a encore 2k2. Il a encore 2k2, il va se mettre en profil ouvreur je pense. Il y a une smoke sur Gobby qui va sûrement smoke spawn CT. Didja va mettre une flash avec Xenix. Et ils vont prendre le B comme ça. Ils vont juste attendre la fin de la smoke parce qu'il y a encore de la smoke hein, du côté CT. Effectivement. Et on a déjà un joueur qui est en train de revenir, hein. c'est énorme, enfin, la vision du jeu. Regarde Skitten qui au spawn CT et qui attend. Il se doute que c'est du BPB, alors que personne n'a pris le mid, personne n'a avancé sa position. Et regarde, attention, la tête qui dépasse et Maxaki qui fait un kill. Bon, il reste encore déjà avec son AK, le problème c'est qu'il s'est arrêté. Maxaki qui rate Gobby, Maxaki qui rate encore, Skitten qui touche pas les DJ. Oh, il a fail, même... mais au final c'est un ace en faveur. Et non. Ah, Skitten qui a Max. Même pas voulu voser, viser Zonix et qui l'a tué. Et ils se sont, ils sont passés devant 3-4 pour les Mousisport. 3 rounds d'affilée pour les Orbit. Il faut quand même le dire. Et c'est de l'achat maintenant pour les Allemands. On voit quand même un Krijay Alcalone qui est au CZ. Ouais bah tu sais acheter à WAP à chaque fois ça coûte cher et là il avait 3k1, je pense qu'il a... Franchement il aurait dû prendre la K au moins. Mais bon, après il peut peut-être ouvrir au CZ. En tout cas il a réussi à mettre Max à 80 HP. Il a essayé, il a perdu que 30 HP, il a mis 20 HP à Max. Ouais c'est Warsuit, pas Warsuit, c'est normal pour l'instant. Il a crisé qui va se donner, il revient dans la mollo, il a fait un air-tour mollo, il a 35 HP. Oh il peut faire le kill troublé en foulant et ça passe et pas non. C'est Max encore une fois qui met un traverse smoke au 5-7. Et ouais. Et il est vraiment affûté ce Max. Hein. Non mais il est très très bon. Très très bon joueur. J'espère qu'il va continuer de performer à ce niveau là. Je pense que ce show match va vraiment montrer les capacités de ce joueur. Et de donner confiance. Ouais. Confiance nécessaire au grand joueur. C'est ça. 5 contre 4. Qui a droppé son CZ qui n'avait plus de balles pour un Glock. Ouais. Et il a pas pu récupérer la AK de Troublé. Bah c'est bizarre parce qu'il était en risque. J'ai regardé voilà ce que t'as. Troublé, mais il était au niveau des sacs de ciment. Ouais, et l'AK hier, il aurait pu le prendre. Ouais, ouais. Juste derrière la charrette, une petite Vulcane, ça te traque. Ah, bref, en tout cas, ça repart dans le middle. Maxaki est ravi. Allez, la ça se moque la vodka. Ouais, ça va passer vodka. Non, vodka, ça passe vodka avec une plage contact à travers la smoke. Ouais, il est complètement blanc, Maxaki. Il s'en sort quand même. Et ah non, j'allais dire, et en plus il fait le kill. Non, il a fait non. Un petit saut, Gobby. Oh là là, oh, tu joues pas de Ledija. Ouais, mais c'est vrai que t'en as mis deux aussi. C'est du 4 contre 2, 3 contre 2 maintenant. Attention, il y a encore un joueur sur le BP. Oh, Skitten, il était tellement bien positionné, personne n'a vu. Et le double voilà, kill. Voilà, Skitten qui régale. Ça fait deux fois qu'un joueur ici se met. Alors c'était Pete, là c'est Skitten. 4-4 entre Mousse et Orbit. Écho des Mousse à venir. Le comeback d'Orbit est réel. Les Orbit qui vont mieux après avoir pris 4-0. Ils ont montré qu'ils étaient encore dans la game. Il faudrait compter sur eux jusqu'au bout. Et du côté Mousse Esport, il faudrait pas que le doute s'installe, Spock. Je sais pas, c'est vrai qu'ils sont pris. Ouais. Ils sont revenus à égalité, c'est de l'écho. Donc les orbites vont. Enfin, la team orbite va sûrement repasser devant. Et attention, Maxaki qui est au milieu de la smoke. Et c'est DJ qui fait le kill sur. Ouais, non, c'était Max, pardon. C'était pas Maxaki, c'était Max. Ça passe directement au niveau de cette longue. Et attention, les DJ à la WAP. Sentries. Ouais, qui se fait calmer par les DJ et la bombe qui va pouvoir planter. Attention, une économie qui peut être. Remportée par les Mousisports. Ouais, exactement. Les Mousisports qui sont plutôt bien dans les échos. Ça reste pour l'instant très compliqué pour eux parce que Pete va récupérer vos Onyx, bon, c'est Maxaki. Oh la petite courte est parfaite sur le cimetière pour bien récupérer les DJ.
Et voilà, c'est du 4v3, ça se transforme en 2v3. Oh là là, puis t'es et c'est terminé. Magnifique. Quelle reprise incroyable de Orbit. 4v3, ils ont réussi à rester 3 en vie, à diffuser la bombe. Alors oui, les mousses, ils avaient pas de Kevlar, etc. Mais c'est très très bien joué par, par les Orbit. Ah, pause. Non, il revient. Ça va repartir. Change pour elle. Il a juste, juste relancé son jeu. Et c'est reparti. Bon, pour l'instant, c'est vrai que ça s'est très bien passé. Il y a eu un petit problème quand les Mousisports sont tous time out. Mais finalement, ça se passe très bien. Donc c'est cool, il faut continuer comme ça. 5-4, les Orbit, la Team Orbit qui repasse devant les Mousisports. Et on a de l'achat pour les Mous. Ils ont quand même fait une bonne opération. Ils étaient en économie. Ils ont réussi à faire tomber la WAP. Et surtout planter la bombe. Et là, c'est Zonix qui a réussi à faire le premier kill sur Max. Max qui a été un peu gourmand, qui a voulu passer au niveau du. Je vais y arriver. Au niveau du balcon pour essayer de faire le kill. Et ça n'a pas marché. Mais c'est Skitten qui fait le travail. Oh là là. Pff. Qu'est-ce qu'ils sont. Oh, Skitten Jay qui vient de scope Max à qui. Pit qui sort. Double kill de Pit. Et comment Troublet n'arrive pas à le tuer. 2v3. Ah, il était dans la smoke, Pit. Et finalement, ouais, ça fonctionne. C'est du 2v3 et un seul joueur sur le BP, hein, c'est Skitten. Un au niveau du spawn CT et Pete au niveau du de ce BPB. On voit la bombe au niveau de la banane, mais il est tout seul. Alors est-ce qu'il va attendre son mate ou pas? Non. Ah, il sait pas quoi faire, Gobby. Est-ce qu'il attend? Pour l'instant, c'est Zonix qui essaye de prendre l'information, de prendre le kill. Ça, il s'est fait par Skitten. Et c'est pour ça que le backup va être fait, Gobby qui va pouvoir planter au niveau de ce BPA. Mais attention, attention quand même, parce que il y a Sentryse au niveau de cette de ce T. Ouais, effectivement, avec Pete hein, qui revient tout de suite dans le T, ils sont deux dans le T. Et ils sont donc Zonix va être le joueur clé de ce round. S'il arrive à prendre un kill ou s'il va tomber direct. Oh, bien bon joué Zonix. Il reste encore Sentryse à faire tomber. Magnifique. Super Zonix. Zonix est vraiment au niveau hein, sur ce match. Troublet, je le trouve vraiment pas dedans. Troublet qui était un des top fraggers chez Planet K, hein, il était incroyable. Et ce soir, il a vraiment du mal. Il a raté beaucoup de choses. Mais ouais, il y a des jours avec et des jours sans. Ouais, mais en général, il y a des maps avec et des maps sans. Des jours avec et des jours sans, c'est quand même plus dur pour un joueur pro. Bah tu sais, ouais non c'est vrai, c'est pas... je sais pas. En tout cas, Max lui il est... c'est un jour avec, du côté Orbit, ah, Max ouais. C'est vraiment son jour. Krigé en demi-teinte, capable de faire des choses incroyables et capable d'être un peu en dessous. Il a pas vraiment carry ce soir, Krigé comme on l'attendait. Et c'est pour l'instant du 5-5 hein, donc bah d'ailleurs Krigé tombe. Ouais voilà, sous les balles de Maxaki, Max qui fait un bon kill sur les DJ, les DJ qui a avancé sans stuff, sans rien du tout, en mode post-caca, et effectivement ça a pas fonctionné. 5 contre 3, la smoke qui va pouvoir être mise, et je pense que le round va être chez les Orbit. Attention, ça redirige au niveau de ce BPB quand même. Ouais mais le problème c'est qu'ils ont pris aucun kill en B ni en A, donc lorsqu'ils vont smoker la façade, il va y avoir un backup du A, c'est du 2v3 pour rusher le petit couloir. Et je me demande même s'ils vont pas agresser l'Orbit sur la banane avec un call. Je vois Pete qui est prêt à attendre la flash de son mate. Non, il s'est mis exil, attend. C'est ça, et pour l'instant on voit pas. Oh si! Non, attends. Oh, il a... oh le leg shot, pas de chance de la part de Troublé. Il la traverse à travers le poteau. Et Skitten va récupérer le double kill. Oh, Skitten! Troublé! Non, c'est bon. Ouais, Gobby qui fait le travail. Et il va partir économiser, il reste 15 secondes de jeu. Et là ça va courir chez l'Orbit pour aller essayer de faire tomber cette AWAP. Gobby qui se cache. Ah bien joué la part de Gobby, mais maintenant il est spot et voilà. Ah, il savait qu'il était mort. Ouais. Tourner en rond. Il savait que c'était fini. 6-5 pour l'Orbit. Mais bon les Mousisports ont fait un bon side terreau pour l'instant. Il faut un voire deux rounds de plus et puis ils seront très très bien. On le répète, c'est quand même la map de la Team Orbit. C'est vrai. Et ils sont Mousse en mettant 5 rounds, ils sont pas mal mais. Ouais. Mais voilà, on sait qu'ils sont capables de faire mieux. Attention, Krigé avancé dans cette banane qui va courir sans Maxaki. Ah il l'a vu, il va pas le lâcher. Et oui Krigé il lâche pas sa cible une fois qu'il l'a en target. Bah disons que la flash était trop tardive. Et Maxaki on a vu qu'il était de dos parce qu'il attendait que
que Pete fasse. Oh là là, mais Max! Ah, mais Max, ah, quand même, il se fait calmer par par Zonix. C'est du 3 contre 2, 3 contre 1. Puisque Zonix est parti au. Et que. Oh là là. Et DJ, il est totalement à l'autre bout. Ouais. Là, prendre écho, c'est vraiment dommage. Il aurait été avec ses mates. Ouais, c'était pas nécessaire de prendre la coupe en écho. Il aurait été plus judicieux qu'il vienne sur le BP. Bah, deux armes de perdu, ouais. Et ça va pouvoir passer pour Skeeter. Mais ça, mais quand, quand tu prends une ouverture en B comme ça et que t'es en 5v1, t'espères au moins planter la bombe quoi. Ils étaient en 5v1 sur le BPB. Le problème c'est qu'il y en avait un qui était dans le middle donc ça fait plus que 4v1. Il y en a un qui a couru dessus tout seul donc ça fait 3v1. Il y en a un qui a couru au spawn donc ça fait 2v1. Et puis après, Pete a pris le kill donc voilà. Dommage pour les Mousse Esports, c'est un peu désorganisé. Et Krij, il va retourner au CZ. Ouais, je comprends pas. Et il est vraiment dans une situation économique, Krij, pas comme ses mates, et il peine. Oh là, heureusement que Max s'est loupé parce que. Oh là, bon, ouais, il revient. Une fois, mais pas deux, quoi. Hein. Du coup, Centrix derrière va se moquer. Ouais, et prend le Krij. Oh, incroyable, s'il perd ce round, les Mousse Esports. Et ouais, ça passe. Centrix qui fait encore un très bon travail. C'est une balle de 9-5 Spock dont on est en train de parler. C'est-à-dire que les Mousse ne pourront pas espérer mieux qu'un 9-6 quasiment. Aïe, aïe, aïe. Aïe 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 aïe. Et voilà, ça va assurer ce 8ème round pour l'orbite. Zonix qui va essayer de conserver son arme. Alors est-ce que Pete va essayer d'aller le chercher? Alors regardez l'économie des orbites. Ils sont pas tellement bien. 1300$ pour Skitten, 50$ pour Waxaki. Ils sont pas très très bien. Par contre, comme t'as dit, chez les Mousse Esports, ça sera sûrement de l'économie sur le prochain round. Pourtant, les orbites étaient menés 4-0. Ils ont mis pratiquement 7 rounds de suite en remis d'un seul. Mais il tombe, c'est vrai, il tombe. Ouais, c'est et là, ce qui nous tue Zonix. Pourquoi Zonix vient si comme ça? Parce que de toute façon, ils sont en économie, donc ils se disent, bon, quitte à avoir un même cycle économique. Bon, voilà, bah écoute, 8-5. Alors, on a quelques petits Kevlar qui sont en train de popper chez Krij et chez Gobby qui avaient un petit peu plus d'argent que leur mate. Mais le 9-5 qui est à venir normalement pour les orbites. Alors ils vont rusher au niveau du petit mid. 3 joueurs orbites sur le BPB. Avec 2 au niveau de la banane. Voilà, Max a l'information comme quoi il n'y a personne banane. Surtout que la smoke a été mise. Et c'est passé au niveau de la voiture. Attention, Maxaki qui va peut-être être un petit peu perturbé. Oh le gros full, ça passe pour Maxaki et pour Skitten. 3 contre 5, 2 contre 5. Et ben voilà. Ok. Ace pour les orbites. Les Mousse Esports qui sont sur le dernier round, ça sortir les orbes sur Krij. Un round très important pour Mousse. Ils ont écho pour ce round là. Pour aller chercher le 6. Ouais, il y a la WAP sur Krij, mais autonome sur Sentries, AWAP sur Max, AWAP sur Skitten. Ils ont privilégié les scopes, les orbites. Est-ce que ça va être une bonne opération ou pas? S'ils se font courir dessus, ça risque d'être compliqué à la WAP. Mais il y a énormément de stuff au niveau de cette banane pour prendre le premier kill sur Troublé qui était complètement blanc. Bah écoute, c'est déjà du 5v4 avec la Western qu'on fait l'orbite à rusher à 3 et à smoker. Skitten qui est du Krij, il est bah, Krij, il était tout seul. Et sans cover, ouais. Que fait Gobby? Aucune cover au niveau de ce T. Bah, Gobby trop tardif, ils ont pas du Krij sur ça. Ouais, c'est du Krij, 3 contre 4. Ça fait 4 rounds qu'il en écho pour son AWAP, il le perd en 4 secondes. Bien joué les DJ. Ah mais il a autonome Centrix. Autonome sur l'appartement. Mais 2v3. C'est passé, mais ça peut pas planter pour l'instant. Oh, et c'est terminé, c'est fini. Oh le dernier joueur qui a été vu. Et c'est fini, 10-5 pour les orbites. Bon, alors ça s'appelle une manche où aucune des équipes a l'avantage. C'est-à-dire que si Mousse met le GR et le premier round d'achat, ils vont arriver à 10-10 très très vite. Orbit met le GR et le premier round d'achat, ils ont quasiment le draw, donc voilà. Donc là, c'est vraiment 10-5, c'est score classique sur Inferno. Il n'y a pas d'avantage pour l'instant pour l'une ou pour l'autre équipe. Ouais, effectivement, mais les orbites ont vraiment su relever la tête après cette ouais, repris 4-0. Quand même. C'est un 10-5 gagnant. Ouais, c'est vrai que les Mousse n'ont mis qu'un seul round les 11 derniers rounds. C'est ça, c'est un peu dur à encaisser pour une équipe comme Mousse Esports. Côté orbite, par contre, on va bien moralement. Ouais. Tout peut s'inverser, hein. Un petit exploit de Troublet ou de Krij au GR et
Alors attention, parce que là pour l'instant on voit que Chris Jay et Ospawn CT il sait pas trop où aller, il a pas d'informations, ça va passer au niveau de cette vodka, ça va être une 3-2 Fnatic. Oh, Zonix. Et bien joué de la part de Zonix effectivement. Ouais, Zonix c'est double kill, mais attention Maxaki il est passé, ils sont 3 en train de planter. Chris Jay met beaucoup de temps à arriver, je trouve Spock. Et du coup Zonix en profite pour tomber. 2v3, il y a encore le Kevlar sur Sentry. Chris Jay enchaîne. 1v2. Oh bien joué Chris Jay. Bon, il aura fallu un double kill incroyable de Zonix et un triple kill de Chris Jay pour y arriver. Gobby et Troublet se sont fait marcher dessus, mais heureusement ils pouvaient compter sur un gros Zonix et un gros Chris Jay pour mettre le GR. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors ils ont planté la bombe les orbites, donc ça va être de l'écho sèche normalement sur ce round. Le one ball de Chris Jay derrière la fontaine, derrière le pilier est quand même incroyable. Ouais. Enfin bon. Ça va écho effectivement Spock et ça va acheter sur le round d'après, ce qui veut dire que Mousse ne remontera qu'à 17. Et regarde Chris Jay, ah wap direct au deuxième round. Bah ouais, triple kill et diffuse de bombe. Ouais mais il a pas peur. Il a pas peur effectivement, mais je pense que là il faut qu'il prenne des risques. Ils sont 5 bananes, ils vont courir sur Troublet et Lady Ja. Chris Jay le sait, il court déjà. Il commence à reculer au niveau du spawn CT. Oh, personne ne check, personne n'a regardé. Ouais mais ça fait pas les kills. Oh là là, quelle erreur de la part de Troublet. Troublet qui est vraiment au fond du Il a laissé passer 3 joueurs, il a foulé, il a pas réussi à faire une. Et il marque blind, ouais, t'as vu ce qu'il marque Pit. Pit, comment il vient de troll Troublet. En mode il était aveugle mec. Effectivement. Ah, Troublet qui est au fond du skill. Non, ouais bah ouais, les DJ il était pas du tout blanc. Enfin Troublet était pas du tout blanc quoi. Non, il parle du mec, ouais, c'est ça, Kargay. Il a raison, enfin. Troublet, mon dieu, quoi. Il est vraiment, vraiment en dessous ce soir. Ouais, ben voilà. Et encore une économie qui passe chez l'orbite. Et là, les Musisports sont tellement mal, mais tellement mal. Il perd la WAP, Gobby, c'est fini. C'est fini. Et ouais. Oh là là, oh là là. Que c'est dommage. Le chat est là, je suis pas confiant, Troublet qu'est-ce qu'il fout, Troublet bah ouais. Mais c'est complètement loupé, c'est pas possible de se prendre ça. Il laisse passer 2-3 joueurs, en plus, hein. Mais ouais, mais personne n'avait checké 3. Quoi. Dédija prend le premier, là tu te dis Troublet en prend 3 minimum, 2-3, bon ok. Personne. Zéro quoi, les déjà ils pouvaient pas tout faire tout seul, surtout que les déjà étaient au 5-7. Je pense qu'il a dû prendre une claque dans la tête là, par ses mates, en disant mais qu'est-ce que t'as foutu. Clairement. Mais ben ouais, écoute, 11-6 pour les orbites, économie pour les Musisports, le 12-6 est là. Oh, ils sont tellement. Tu vois, Troublet au Spontero depuis au Spawn CT, il bougeait plus là, sur ce round là. On a vu, ils sont en train de l'engueuler. Il était FK au Spawn CT depuis le début du round. Il a rien acheté, Troublet. USPS. Ouais, bon, de toute façon, ils étaient en écho. Ouais, mais ils ont tous pris du stuff et tout, mais il a commencé à jouer trop tard après les Strat Time. À mon avis, il a pris très très cher par ses mates, hein. On rappelle qu'ils sont en bootcamp. C'est ça. Il a dû prendre des petites tatanes là, pam. Ah, il mérite, on prépare les smokes. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça contrôle map, ça va repartir dans ce T pour l'orbite. Un joueur, c'est Pete, qui attend. Tout simplement, il temporise au niveau de la charrette. Pendant ce temps-là, ses mates sont en train de prendre encore une fois la vodka. Ou la bombe qui est première quand même. C'est ce qui tonne, il est ouais, premier. Ouais, MP90, ça s'appelle pas de Kevlar, il est serein. Ah, ouais. Incroyable. Il court, il y a eu un petit kit de Zonix quand même. Bah, disons que Zonix c'est le seul joueur qui a la M4. Non, ça, mais il a pris un kill, il tombe derrière, Troublet qui récupère un kill. 2v3, est-ce qu'ils vont le jouer, les mousses ou pas? Ah, ils peuvent pas. Ah, ils ont rien à perdre. Ah, ouais, c'est vrai qu'ils ont rien à perdre. Troublet qui tombe, c'est également, pose demandé par qui j'ai. Ouais, c'est Troublet juste qui reboot son. Ce que je trouve incroyable quand même, Spock, dans la malchance qu'on a, c'est que. Il n'y a pas eu un des autres de la soirée. C'est un match magnifique. Et le Nexus ne fonctionne pas. Ouais, bah ouais, écoute. C'est dommage, mais c'est pas de Parce notre que sort. C'est le plus beau showmatch qu'on ait jamais eu. Ouais. C'est-à-dire. Un showmatch, un contenu incroyable, quasiment aucune pause. Et voilà. Non, ouais. C'est vrai que c'est la première fois que c'est comme ça. Après, c'est pas de notre faute. C'est ça qu'il faut, il faut se dire. Hein. C'est... Ouais, bah c'est ce qui m'énerve encore plus, quand même. Bah ouais. Je te comprends. 2-6 pour les orbites. Pardon. En vrai. Je te comprends. Ouais. 2-6 pour les orbites. Le unpost qui est lancé. Musisports en économie. C'est-à-dire que Musisports, s'ils veulent l'emporter maintenant, ils vont devoir faire un comeback de 13-6.
De 13-6, ouais. Ah ben il y aura plus, enfin je vais dire ça, mais oh, il y aura plus de joker, plus de joker pour le orbite, mais 3-0 à Mousse, c'est quand même l'événement. Ah ouais. Le Mousse eSport, c'est quand même l'une des meilleures équipes en ligne. On a vu qu'ils ont battu Titan et tout, enfin ils sont quand même dans le top 7-8 des équipes en ligne, quoi. Ben ouais. Et là, ils sont massacrés par leur orbite. Ouais. Oh là là, c'est une boucherie. Mais c'est magnifique, enfin, franchement, ils ont été très très bons les orbites. Très très bons, il n'y a rien à dire. Allez, agression de troublé, bah ouais, il est temps, c'est déjà passé sur ce BP. Et regarde le cher Krijay qui est sur ce BP, il fait un kill, mais voilà, il se fait mettre instantanément. En travers la chaise de pipe. Il reste un joueur dans cet appartement. C'est troublé avec l'UMP45. Il va avancer tout doucement. Est-ce que Pete va avoir l'information ou est-ce qu'il va se faire tuer bêtement? Et voilà, c'est troublé qui prend le petit court. Il est content, il a pris son kill. Ta da da da. C'est ça. Ouais, mais il va sûrement se faire tuer maintenant, même pas. Bon, de toute façon, le 13-6 est là. Et là, c'est le round. Enfin, pas celui-ci, mais le prochain. Ah bah là, c'est le round qui va déterminer si les Mousse eSports vont remporter. Oui, celui-ci, quoi. S'ils perdent ce round-là, Mousse, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Et là, c'est rideau. Il faudra se le dire. Hein. Fin du show. Et là, où est Krijay? Oh là, il va décaler mid. Mets-toi sur Krijay, Spock. Il va prendre tous les risques. Il va balls in, comme on dit. Ah bah, même pas. Si, attends la flash, mais t'inquiète. Ah bah, elle est tardive, hein. La flash est il très tardive. Il a pas mis la flash, Gobby, il est parti vodka, alors que Krijay a attendu que son mate allait vodka et que de flash. Ah, des erreurs, ouais. Oh, la déception. Et là, Krijay il est de se retourner tatane. C'est ça. Mais c'est dommage, hein, franchement, il y tu a vois, trop d'incompréhension du ouais. côté des Mousse eSports. Bah, après, je pense que, enfin, comme t'as dit tout à l'heure, hein, c'est quand même une équipe multinationalité, hein, avec un néerlandais, avec oui, mais surtout Allemands. Nouvelle, donc il ouais. y a beaucoup eu trop de changements. Et là, la com est... Oh là, Pete qui va ouvrir Troublé. Oh, le timing pour Troublé, il a vraiment eu de la réussite. Ils ont double smoke, les Mousse. Pourquoi? Je ils ont pas, mis ouais. deux smokes en B, ils ont plus de smoke au bout de... Oh là là là, là quelle catastrophe. C'est ça. Dans 15 secondes, ils ont plus de smoke et ça peut ça agresser. Très 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 mal. Alors, pendant ce temps-là, Alcalon, il y a quand même 3 joueurs qui sont dans le T. Donc, est-ce que ça va rediriger au niveau de la banane à la fin de la smoke ou est-ce qu'au contraire, ça va partir dans le T? Ils vont partir en B, ils ont vu partir deux smokes. Ouais. Les orbites sont pas cons, ils disent, hey, les gars, c'est gratuit, ils ont plus de stuff en B, go. C'est vrai, et là ça y est, le stuff qui va être lancé. Et bah alors là, si Troublé et Jeff, faut mettre pas le round de leur vie, c'est terminé. Ah, bien joué, il a fait tomber la bombe Lady Jazz sur le premier kill. Il y a un joueur bobine qui tombe, c'est du 4 contre 2, mais il y a quand même l'avantage pour les Mousse eSports. Ah, Maxaki qui fait le kill, 2 contre 3. Avantage orbite, hein, ils vont pouvoir planter la bombe maintenant. Mais il est loin, il est très 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 loin, Centris, que fait-il? Bah en fait il vient prendre tous les joueurs de dos, ça plante la bombe, ça peut le faire, hein. Centrix va peut-être récupérer un kill sur Zonix. Oh, oh là là, oh là là, oh là là le 2v4. Oh, oh Krijay qui met l'enscope sur Maxaki, attention. Ouais, et pourquoi Gobi ne diffuse pas? Centrix. Ah, c'est Krijay qui a le kit. Centrix. Oh là là. Centrix. Et non, il va laisser la bombe diffuser, dommage. Ouais. Oh là là là, là c'était très chaud. Oh, les Mousse eSports qui s'en sortent. Qui s'en sortent. C'est chaud. Incroyable. Bon, pas de problème chez la team Orbit, ça peut racheter, il y a aucun problème. Mais il y aura pas d'AWAP sur Max, alors qu'il aurait pu. Il était à 5700, il aurait pu acheter AWAP Kevlar avec un petit peu de stuff, mais non. Et attention, là c'est Krijay au niveau de cette banane qui fait l'open kill sur Pete. Et ça c'est une bonne Oh, attention, parce que ça commence à rusher, il est complètement blanc, troublé. Mais les DJ a été très attentif. Et voilà, troublé qui fait le double kill, il se fait revenge par Maxi. Par Max. 1v3, Max. Bon, de toute façon, il a pas la bombe, il a 56 HP. Donc les Mousse eSports peuvent remonter, Alcalon. Bah, effectivement. Et donc, s'il fait tomber Max, ils peuvent remonter, enfin... C'est le dernier round d'achat, là, des Orbit. Hein. Et même... Regarde, ouais, mais regarde, il y a 2500$ pour Maxaki. Le round précédent, Mousse l'a emporté uniquement par le move de passer au sprint, etc. Il était encore une fois passé sur le BP, et on a vu beaucoup d'incompréhension. Où est Krijay? Est-ce qu'il y a des Kali middle? Où il y va? Est-ce qu'ils vont avoir un joueur avec qui pour flasher? Ah, du coup, non, il va s'auto-flash, tellement il en a marre.
Autophage de cris, j'ai. Ouais. Et c'est de l'économie, hein, finalement, chez les Orbit. Ouais. Il y avait un joueur qui était à 2500$. Donc ils se sont ils dit. Ils peuvent bon... le faire. Ouais, peut-être qu'il fait un kill. T'as couvert sur cris, j'ai. Au Tech 9. Ah, bien joué de la part de Copy. Attention, il y a encore un joueur au niveau de la vodka. Oh, bien joué, Gobi qui fait le triple kill. Triple kill de Gobi et double kill de Krijay. 13-9, et Mousisport remonte petit à petit. Mais attention, c'est de l'achat maintenant pour l'Orbit. Ouais, effectivement. Avec un full rifle, pas de sniper. Skitan aurait pu drop à max, mais ils vont préférer le 5AK-47. Ça va rusher au niveau de ce petit mid, deux joueurs au niveau du middle, sauf que la bombe n'a pas été prise. Hein. La bombe est toujours au niveau des escatéros, mais ils veulent essayer de faire l'ouverture. Et ils sont confiants, hein, les Orbit, regarde, ils décalent, ils savent très bien qu'il y a un Krijay avec la WAP, mais ils décalent quand même dans le T, sans trop de complexe, en se disant, bon ok les gars, on va y aller, on peut les décaler. Et ça y est, ça avance petit à petit au niveau de la longue. Skitten, il faudrait qu'il mette une grosse flash. Et c'est sûrement ce qu'il va faire. Eh bien joué, Krijay. Il est là. Dans les moments où il faut. Oh, il est tout blanc. Ils ont flashé Krijay. Oh là là. Il récupère Skitten. Skitten était complètement blanc aussi. Ouais, mais Krijay aussi en fait. Ouais. Et c'est du 3 contre 5. Avec. Attention, ouais, Maxaki. Bon, Maxaki oh, et Santris qui font le travail. Et il faut peut-être repartir sur ce BPB maintenant. Et du coup, les Jack, il prend panique. Il va se cacher. Il devrait bouger les mouches là. Il manque d'infos, il reste tous les deux. Allez, et il sait que. Oh là là, Max qui va arriver. Ils savent que les Jija et ses 3. Et voilà, et il se fait décaler. Oh là là. Oh, incroyable. Et Krijay qui fait double kill. Ils vont quand même arriver à perdre le round sur une mauvaise flash, un mauvais call. Oh, ah. Gobi qui a mis un gros MS. Là, je... Oh la Pokéball. Oh non, elle passe pas. Heureusement qu'elle était trop haute. Ça y est, smoke de mise. La bombe est plantée. En plus pour Maxaki, pour Max pardon, et reprise à venir pour Zonix et Gobi. Ils sont quand même full life, hein, enfin quasiment. Hein. 70 HP pour Gobi et 100 HP pour Zonix et le Max. Ouais. Zonix. Oh la vache, Zonix 1v1 face à Centrise et il a pas le temps. Il a pas le temps de diffuser. No oh time, la vache, Zonix. 14-9 Spock. 14-9 pour les orbites. Ah ouais. C'est incroyable. Krijay prend double kill. Il y a une autre flèche qui part. Il flash Krijay. Krijay s'est fait tuer par le terreau. Pendant que Krijay était blanc, Maxaki a couru au spawn CT pour tuer le backup de Troublet. Mais les mousses, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Ben ouais. Il y a décalé middle encore une fois. Même pas. Il va décaler au-dessus. Oh, il n'y a plus l'information comme quoi ça rushait un petit peu la banane chez les Orbit. Ça avance en slow maintenant. Il y a le Tech 9 sur Pete. Hein, et Pete qui n'a pas pu acheter d'armes. Ça se joue là quand même. Ça se joue maintenant. Et attention, ça commence à rusher au niveau de ce PPP. Et il y a déjà un joueur qui est passé au niveau du. Ouais. Oh là là. Il a pris Troublé. Il n'y a pas d'infos. Il se retourne pas les DJ. Il n'y a pas d'infos. Mais. Oh, mais il n'y a pas de TS. C'est pas possible. Pas de TS. Les DJ étaient complètement perdus. Alors que Troublé était tombé dans les ruines par Pete. Mais qui pourquoi avait rushé. Ils lui disent pas de se retourner. Je comprends pas. Mais Troublé, il est perdu ou quoi? Il se fait tuer de dos, il en faut pas les DJ. Incroyable. Oh, ça va donner le 15-9. Mais c'est dit quoi les DJ? Il y a un mec sur un nuage qui est en train de mitrailler. C'est ça. C'est n'importe quoi. Ils sont au fond du trou les mousses. Et il y aura 6 balles de match. Je dis bien 6 balles de match. Là, 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 là. Pour l'Orbit. Ah là, ils vont pas y arriver. Bah, ils économisent leurs armes, les Mousisport, parce que, enfin, niveau économique, ils sont tellement mal. Ah, les petits points niveau scoreboard, en parlant de ça. On voit Krijay et Zonix qui sont à 17 kills, 14 kills pour les Jija, 11 kills pour Gobi et 10 kills pour Troublé chez les Orbit. C'est Skitan qui est premier avec 21 kills, 18 kills pour Centrise, Maxaki et Pete qui sont à 17 et 16 kills pour Max. Max qui est dernier de son équipe, mais avec 16 kills quand même. Alors Spock t'annonce un comeback des mousses. Ou une victoire 16-9 de Orbit. C'est serré, je peux pas le dire. C'est un pronostic. Non, moi je dis que les mousses vont sûrement remporter ce round. Donc, ah oui. Ouais. Ah d'accord. Ouais, vraiment optimiste sur Krijay. Ouais, on se dit bon pourquoi pas sur ce round. Bah, Krijay a dit HP. Ah ouais, directement, il a pris cher.
Tu sais même pas comment il a survécu, il drop la palette Didja et il va aller se cacher C3 avec un CZ. Et pourtant ils sont 3 sur ce BPB hein. 3 ouais, sur ce BPB et que 2 sur BPA. Une smoke de mise. Par contre là sur Didja je suis vraiment pas serein. Ouais mais il vaut mieux donner la WAP à aller Didja et garder le CZ pour qu'il j'ai plutôt que de faire le contraire. Ça va rejouer ouais. En A. Ils vont faire un fake B pour que le joueur trouve le backup B. Ça marche très bien parce que Trouble est en train de backup et finalement c'est du A. On est encore sur Krigé là. Ah, je suis sur Max. Max qui va. Ah non, ça y est. Oh, Pique. Ils sont fait double. Double fake. Double fake. La bombe et au niveau ouais, de la mais les mousses sont pas bougées donc. Ah, la smoke est bonne par contre. Oh, bien joué les Didja qui a mis la bonne smoke quand il fallait. Oh attention, ah oui, ils vont la traverser parce qu'il y a personne qui défend la smoke en fait. Ouais, ouais, Pete qui avance dans la smoke, il a pas peur. Oh là 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 là. Et Pete qui refait la même chose, il va passer ça au niveau passe de la ruine. Sans punition. Et les Didja qui va être pris par derrière. Oh la vache, ils incroyable. Ont pas vu Krigé encore qui s'est raté. Si si, ça y est, ils ont vu Krigé, ils vont lui courir dessus. Max, c'est terminé. 3 contre 2. C'est terminé. Les orbites vont mettre sans doute 16-9 au mousse 3 map à 0. Oh. Ah, on a vu quand même un très beau BO5. Il n'y a rien à dire. Ouais, ah là là. C'est terminé. Mais on a vraiment vu un très très beau BO5. Attends, attends, attends. Ouais, non. C'est terminé. Mousse prennent 3-0 par les orbites. Bah écoute, magnifique. Magnifique ce qu'ils ont fait. C'était incroyable. Et bah, je suis épaté. Épaté par cette équipe suédoise qui nous a montré de très très bons joueurs, vraiment un bon team play. On voit qu'ils se sont vraiment entraînés et bah, ça a fait tout simplement la différence Alcalone avec avec un Max qui est sorti du lot lors de ces deux premières maps et bah, tout le monde de toute façon tout le monde a fait vraiment un bon travail. Que dire bah. 3-0 c'est dommage hein. On attendait peut-être la quatrième map voire la cinquième, ça se finit en 3 maps. Je vais peut-être redire les scores. Je vais vous le mettre d'ailleurs. Donc ça faisait 22-18 sur Mirage pour les orbites. Ensuite on est parti sur Dust 2 et là c'était très serré. Encore une fois c'était du 16-14. Et là par contre 16-9 avantage pour les orbites. Ils ont commencé sur le Easy Side et il y a eu quelques petites erreurs des Moose Esports. Et voilà, ça a pas fait. Ça n'a pas fonctionné malheureusement. Donc Alcalone, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, bah merci à tous d'avoir été là ce soir, d'avoir explosé les records avec 45 000 spectateurs. Merci beaucoup à vous. Et désolé pour tous les bugs techniques qu'il y a eu, parce que vraiment au jeu, c'était magnifique. Aucun bug, aucun DDoS. Ouais, deux donc, équipes à recommander. À ouais, vraiment incroyable. Merci beaucoup à eux. Et merci à vous d'avoir été là. Bonne soirée à tous. À bientôt. Blanc et